d'accord. Ils seront là également pour faire les spectacles. Ah, mais ça vient. Voilà, les supporters sont là, les supporters sont là. Voilà, on a mis une boîte. Ah, ils sont là, comme vous voyez, ils sont au top. Ils seront encore plus au top tout à l'heure. Au moment où vous répondez, j'ignore également. Merci. Bon, écoutez, on va les accueillir dans un instant. Donc, 8 enfants sont arrivés. On va les accueillir dans des centres d'antenne. Marius! Jean-Baptiste Colette! Est-ce que tu es content, Marius? Oui. Est-ce que tu comptais gagner avant le coup? Oui. Tu peux nous raconter ta course? Parce que là, j'ai mis les droites et j'ai gagné. Est-ce que ta maman, elle est contente de toi? Oui. Est-ce que tu avais bien préparé ton cheval? Oui. Combien de fois tu l'entraînes, ton cheval, par jour? 10 fois. Bravo, champion. Bravo, Marius. Marius, comment tu dis? Hé, viens voir. Foutez Marius, foutez toi. Vas-y, viens, allez. On prépare un petit rédicage, un mini. Voilà, un mini rédicage. Colette, Marius. Colette. Avec Philippe, c'est bien, c'est bien. Bravo. Jean-Luc, est-ce que c'est une fierté de voir son fils gagner à Vincennes, une course de poney? Moi, je pense que tout père est honoré quand... Quand un de ces rejetons gagne des courses comme ça, c'est super sympa. Que ce soit une course de poney ou d'aller voir marquer un but sur un terrain de football, ça fait, c'est normal, ça fait plaisir à tous parents. Hein. Voilà, bon, bah, c'était sympa. J'ai vécu ça un petit peu avec eux là-bas parce que j'étais un peu à la préparation. Ça permet d'amener un petit peu de nouvelles personnes sur l'hippodrome parce qu'il y avait plein de parents, des néophytes qui ne connaissaient pas Vincennes ni les courses. Donc c'est très très bien. Concernant la préparation de ces petites bêtes-là, ça doit être amusant un petit peu de se prendre au jeu. Ah oui, bon, c'est pas moi qui m'en suis trop occupé. C'est une petite pouliche qui faisait, par travail, faisait 3 hits à chaque fois. Donc en revenant, attaché au box, avec des couvertures et tout. Donc là, t'es préparé comme un cheval de groupe. Par le petit Marius. Et Mademoiselle Chassagne. C'est très très bien, franchement. Voir tous ces jeunes avec leur poussée d'adrénaline, ils sont super gazés, ils sont contents de leur course, l'avant-course et tout. C'est une très belle initiative de la part des organisateurs et bravo à eux. Justement, l'avant-course, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation cette semaine, Marius, il devait être intenable. Oui, c'est vrai que plus approchait cette date, plus je voyais le jeune un petit peu gazé, il n'arrêtait pas d'en parler. Et ben, c'est très très bien. Thank you.